Bonjour. Vous êtes monsieur. D'accord. Alors attendez 2 minutes, parce que du coup je viens d'ouvrir le bureau, que je retrouve les fiches. Hop. Donc vous venez aujourd'hui, c'était pour une ouverture de compte, c'est ça? D'accord. Alors, attendez que je retrouve votre fiche. Toc toc toc. Voilà. Donc c'est Hassan Touti, c'est ça. D'accord. Alors, déjà, pour commencer, la banque vous offre 2 000 $ de bienvenue. Voilà. Bah de rien. J'ai quelques petites infos à vous demander. Donc, vous êtes, est-ce que vous travaillez actuellement? Vous êtes chauffeur routier, très bien. Hop, je note ça. Hop, d'accord. Donc j'ai votre nom, votre prénom, métier, votre origine. Algérien, d'accord. Hop. Très bien. Pour vos comptes, est-ce que vous préférez qu'ils restent privés ou anonymes? Anonyme? D'accord. Enfin, privé ou public. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc, anonyme, d'accord. Donc, voilà. Je voulais aussi vous proposer des assurances. Donc tout ce qui est assurance voiture et assurance de la vie. Voilà. Pour les assurances voiture, de toute façon, ce sera obligatoire. Si vous achetez un véhicule, hein, bien sûr. Donc voiture ou moto. Pour les assurances voiture et moto. C'est 250 $ par véhicule. Voilà. Et en cas de casse ou de vol, c'est l'assurance prend en charge jusqu'à 600 $ de réparation ou de. Voilà. Ou si vous prenez l'assurance à 100 $, l'assurance vous rembourse, enfin vous prend en charge jusqu'à 300 $. D'accord, pour l'instant vous n'avez pas de. Voilà. Mais au moment de l'achat d'un véhicule, vous allez être obligé d'avoir une assurance. Sinon, le concessionnaire pourra pas vous vendre. D'accord. Pour une assurance de la vie, si par exemple vous avez des frais d'hôpitaux, etc., l'assurance prend en charge jusqu'à. Enfin, ça coûte 80 $. Et elle prend en charge une partie des soins. Non, donc. D'accord. Très bien. J'ai des assurances aussi pour les armes. D'accord, donc pour l'instant, aucune assurance alors. D'accord. Donc, ok, donc on récapitule. Donc, si vous achetez une arme, vous êtes obligé d'avoir une assurance, sinon le vendeur pourra pas vous vendre. Pareil pour les autos ou les motos. Et si vous allez à l'hôpital et que vous n'avez pas d'assurance, bien sûr vous allez être soigné, mais ce sera payé de votre poche. Voilà. Ça vous va? Ok. Donc je vais vous envoyer par SMS ou par mail votre numéro de compte. Voilà. Voilà. Donc votre compte est ouvert. Et bienvenue à Los Santos. Bah de rien. Oui, c'est tout. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonjour.
Vous êtes Monsieur Martinez, c'est ça? Oui, et vous venez pour une ouverture de compte? Oui. Donc déjà, la banque vous souhaite la bienvenue en vous offrant 2000 dollars. Voilà. Bienvenue. Donc moi, ce que j'avais à vous demander, donc j'ai votre nom, votre prénom, du coup, est-ce que vous travaillez actuellement? Vous travaillez pas? D'accord. Très bien. Votre origine aussi, c'est pour compléter la fiche. Espagnol, d'accord. Très bien. Hop, donc ça, c'est bon. Pour le compte, j'avais aussi quelques petites assurances à vous proposer. Donc j'ai des assurances auto et moto à vous proposer. Si au cas où vous avez un véhicule à acheter, il vous faudra obligatoirement une assurance du coup qui vous coûtera 250 dollars par véhicule. Et en cas de dégâts, enfin réparation, l'assurance prend en charge jusqu'à 600 dollars. Pour une assurance à 100 dollars, l'assurance prend en charge 300. Donc est-ce que ça vous intéresse pour le moment ou pas? D'accord. Prenez laquelle, l'assurance? À 250 dollars. D'accord. Donc 250 et c'est pris par véhicule. D'accord. Ensuite, j'ai des assurances, une assurance de la vie. C'est 80 dollars et c'est pour des soins hospitaliers. Voilà. D'accord. C'est vrai. Et j'ai des assurances aussi pour les armes. Si vous achetez une arme et vous la faites voler, l'assurance vous rembourse ou voilà. Et c'est 50 dollars par arme achetée. D'accord. On voit très bien. Donc je note ça. Toc, toc, toc. Voilà. Donc le compte est ouvert. Les assurances auto, moto, assurance de la vie et assurance des armes. C'est tout bon. Je vous envoie par mail ou par SMS votre numéro de compte et votre numéro d'assurance. Voilà, c'est tout. Ben, bienvenue à Los Santos et puis voilà. Au revoir, monsieur. Du coup, vous venez aujourd'hui pour une ouverture de compte, c'est ça? C'est ça. D'accord. Déjà, la banque vous souhaite la bienvenue en vous offrant 2000 dollars. Ben, de rien. Ensuite, moi j'avais besoin de quelques petites infos pour compléter ma fiche. Alors, attendez que je retrouve. Hop. Donc voilà. Donc vous êtes bien Kevin Chacour, c'est ça? D'accord, très bien. Travaillez-vous actuellement? Vous êtes policier, d'accord. Et vous êtes de quelle origine? Français, d'accord, très bien. Voilà, donc ça c'est pour le compte bancaire. Donc votre compte c'est bon. J'ai aussi quelques petites choses à vous proposer. Donc j'ai des assurances voiture et moto à vous proposer pour 250 dollars par véhicule. Et du coup l'assurance prend en charge jusqu'à 600 dollars en cas de dégâts, enfin réparation chez garagiste, pardon. Sinon j'ai une assurance à 100 dollars pour une prise en charge de 300 dollars. D'accord. Voiture et moto, c'est la même assurance, hein. C'était juste pour vous dire que c'est les deux, quoi. D'accord. Donc vous prenez l'assurance à 100 dollars ou à 250 dollars?
D'accord, donc ça c'est 250 $. Donc les prix là, c'est les prix par véhicule. Donc plus vous achetez de plus de véhicules, plus ça vous coûtera une somme, quoi. D'accord? Donc c'est 250 $. Donc si voilà, donc si vous avez des soucis avec le véhicule, l'assurance prend en charge jusqu'à 600 $ de réparation. Donc voilà pour l'assurance auto. Donc maintenant j'ai assurance de la vie. J'ai des assurances qui sont à 80 $. Et ça prend, c'est au cas où il vous arrive quelque chose, voilà, un accident, si vous cassez quelque chose, voilà, ça prendra en partie vos soins hospitaliers. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et aussi, j'ai des assurances pour les armes. Donc, du coup, vous êtes policier, donc vos armes de service sont déjà assurées automatiquement. Mais ce que je vous propose, c'est les assurances pour les armes personnelles. Voilà. Si vous avez l'intention d'acheter une arme pour vous, il vous faudra obligatoirement une assurance. Et l'assurance coûte 50 $ par arme. Peu importe le type d'arme que vous achetez, c'est 50 $. Ouais. D'accord, donc on part sur une assurance à 50 $ pour les armes, assurance auto aussi et assurance de la vie. Très bien, donc je vais vous envoyer par mail ou par SMS votre numéro de compte et votre numéro d'assurance. Et voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Pas pour le moment. Eh bien, bienvenue à Los Santos et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour. Vous êtes Madame Muller, c'est ça? Très bien. Donc, bienvenue à Los Santos. La banque vous offre déjà 2 000 $ de bienvenue. Voilà. Pour compléter ma fiche, donc j'ai déjà votre nom, votre prénom. Il me faut aussi votre métier. Est-ce que vous travaillez actuellement? D'accord. Vous êtes policière. Hop. Et votre origine, s'il vous plaît. Vous m'entendez, madame? Oui. Française, d'accord. Hop, très bien. Donc ça, c'est pour le compte. J'ai aussi des assurances à vous proposer. Si vous avez envie d'acheter une voiture ou une moto, donc j'ai des assurances à 250 $ par véhicule. Et l'assurance prend en charge jusqu'à 600 $ en cas de dégâts sur votre véhicule. Et j'ai aussi une assurance à 100 $ et qui est prise en charge par jusqu'à 300 $. Voilà. Donc laquelle vous préférez? Celle à 250? D'accord. J'ai des assurances de la vie aussi à 80 $. Ça, c'est au cas où il vous arrive quelque chose. L'assurance prend en charge une partie de vos soins hospitaliers. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Sinon, si vous n'avez pas d'assurance et vous blessez, enfin, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Si vous n'avez pas d'assurance, c'est vous paierez de vos poches 100%, quoi. D'accord. Très bien. J'ai des assurances aussi pour les armes. Donc au cas où vous avez envie d'acheter une arme pour vous, personnellement, parce que du coup vous avez déjà une arme de fonction, du coup ça c'est déjà assuré automatiquement.
Voilà, j'ai des assurances à 50 $ par arme. Donc est-ce que ça vous intéresse? Ou pas? Oui, d'accord. Très bien, donc ça c'est noté. Je vais vous envoyer aussi par mail ou par SMS votre numéro de compte et votre numéro d'assurance. Voilà. Avez-vous quelques questions? Non? D'accord. Bon, et ben c'est tout pour moi. Voilà, donc encore bienvenue à Los Santos et puis une très bonne journée, Madame Muller. Merci, au revoir. Bonjour monsieur. Donc vous êtes monsieur Billy Gray. Très bien, donc vous venez aujourd'hui pour une ouverture de compte. Oui. D'accord. Donc moi, j'ai votre nom, prénom, donc ça c'est bon. Voilà. Votre métier, si vous travaillez, s'il vous plaît. Armurier. D'accord. Hop. C'est noté. Votre origine. Vous n'avez pas d'origine. Ah, vous êtes bien né quelque part, non? Ah, donc vous êtes russe alors. Bah voilà. Très bien. Du coup, pour la partie bancaire, ça c'est fait. J'ai des assurances à vous proposer aussi. Donc j'ai des assurances voiture et moto à 250 $ et prise en charge par l'assurance jusqu'à 600 $. Ça c'est en cas de dégâts matériels ou de réparation chez le garagiste. Voilà. Ou bien j'ai une assurance à 100 $ et prise en charge jusqu'à 300 $. D'accord. D'accord, donc 250 $. Ensuite, j'ai aussi des assurances pour les soins hospitaliers. Donc ça, c'est 80 $. C'est au cas où il vous arrive quelque chose, l'assurance prend en charge une partie des soins. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas d'assurance, bah, vous payez 100% de votre poche vos soins. D'accord. Donc ça, c'est OK. Ensuite, j'ai aussi des assurances pour les armes. Donc, si vous achetez des armes pour vous personnel, c'est 50 $ par arme achetée. Ça vous va très bien. Est-ce que vous avez une assurance aussi pour votre magasin? Oui. D'accord. D'assurance. D'accord. Je passerai à l'agence dans la journée ou plus tard pour voir, pour parler justement d'une assurance éventuelle. Très bien. Est-ce que vous aviez des questions? D'accord. Donc je vais vous envoyer par mail ou par SMS votre numéro de compte et votre numéro d'assurance. Et voilà. Je crois que je vous ai pas dit pour la bienvenue. La banque vous offre 2000 $. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Donc voilà. Donc vous avez déjà 2000 $ sur votre compte. Voilà. Donc bienvenue à Los Santos. Et je vous dis à très bientôt. Je vous recontacterai justement pour prendre un rendez-vous avec vous pour une assurance pour votre magasin. Merci. Au revoir.